Et bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau stream de Dark Souls. Premier du nom évidemment, Prepare to Die Edition. Ça a tweeté, c'est bon, on peut se barrer. Alors on va charger notre partie qu'on n'a pas jouée depuis quelques jours. Depuis au moins... Depuis longtemps en fait, ça fait au moins une semaine que j'ai pas joué. Ouais c'est ça fait au moins une semaine que j'ai pas joué. Bordel, je vais déjà mourir. Donc à la paroisse des morts-vivants, on va reprendre. Alors normalement on a ouvert la forêt d'Astorias, on a découvert le bassin de Noirsouche et les jardins de Noirsouche. Alors je vais aller farmer un petit peu de ce côté-là. Avec mon stuff. Alors petit point sur le stuff évidemment, comme d'habitude. Toujours mon épée droite draconique, la main, l'arc court, le bouclier à pointe. Qui est pas mal à ma connaissance. Non en fait il a des... Il a des blocages un peu zéro. Mais à côté de ça, j'ai quand même le bouclier araignée qui est pas mal. Qu'on va équiper à la place. Sauf que le bouclier araignée, il faudrait que je l'augmente un petit peu. En fait, je sais pas lequel des deux est le mieux parce que les deux ont des bonnes stats, même si un résiste plus à l'électricité que l'autre, inversement. Pour le feu, mais il faudrait que je voie au niveau 3. Bon après évidemment, donc l'arc court toujours là, l'arbalète lourde que j'avais récupéré au fur et à mesure. J'avais récupéré dans les profondeurs je crois. La hallebarde, la grande hache du roi dragon que je ne peux toujours pas équiper parce qu'il faut 50 de force. On récupère sur la queue du dragon des profondeurs là. Quelques touffes de lichen machin, tiens on va les retirer. Qu'est-ce que j'ai comme item? L'œil de la mort, alors ça je sais toujours pas ce que c'est. Du lichen, de la résine qui ne me sert à rien évidemment vu que l'arme que j'ai n'en a pas besoin. Ah, trois grandes âmes, tiens. On va faire un peu de calcul là. Parce que de toute façon aujourd'hui c'est un peu de farm, c'est de la tranquillité. Toujours mes bombes incendiaires et mes couteaux de lancer, quelques traits simples, quelques flèches. L'anneau de pierre lame bleue augmente la défense quand les PV sont bas. Et l'anneau de l'œil maléfique qui absorbe les PV des ennemis tués. Ce qui reste un bon combo, l'anneau sacrificiel qui pour l'instant ne me sert à rien. Donc je suis niveau 33, j'ai beaucoup d'endurance, un peu de force, un peu de vitalité. Et voilà. Alors. Ça a pas l'air de laguer, non, ça a l'air d'être parfait. On va juste se souvenir des contrôles, wesh. Ça c'est pour le bouclier. Non, ça c'est pas pour le bouclier, c'est là le bouclier. Bref. J'ai quoi comme arme au fait? Parce que là. Il y a aussi la clé mort que j'aurais bien aimé tester. Parce que je sais pas ce qu'elle vaut, mais il faut l'améliorer et tout, c'est chiant. Vite fait faire un tour dans la boîte sans fond, la petite boîte. Merde, c'est où déjà? Boîte sans fond, donc. Médaille solaire, badge d'honneur ultime, j'en ai deux. Les touffes de lichen, les bombes incendiaires, la résine qui me sert à rien pour le moment, mais qu'on garde, le talisman aussi. Les os du retour, les humanités, le détritus, je sais toujours pas à quoi ça me sert, mais c'est pas grave. La pièce de cuivre, pareil. Alors, un fragment de titanite, 4 grandes titanites, ça c'est bien, des éclats de titanite que j'ai sur moi. Alors, épée courte, épée longue, épée large, ouais. Alors, la clé mort qu'on va les récupérer. La grande hache, quel était le problème avec la grande hache? Ah oui, j'ai pas la force requise. Puis ça m'intéresse pas. La grande hache du roi dragon, je la garde parce que le clash. La hallebarde, catalyseur, flamme de pyromancie, on s'en fout. Bouclier, bouclier araignée donc. Toutes les flèches, j'ai tout sur moi. Au niveau des armures. Pourquoi? Ah oui, c'est tout le set guerrier qui ne me sert à rien. Parce qu'après, j'ai tout le set chevalier qui est pas mal. Ouais. Le casque de Balder plus 2. Pourquoi je l'ai plus, je le porte plus. Ah oui, j'ai le casque de la gargouille, c'est bon. J'ai le casque, il est où? Ah, j'ai le casque de gargouille plus 2 qui est largement plus intéressant. Alors, donc. Donc on avait dit la clé mort. Mince. Non, voilà. Non, bordel, fais chier. Ah, je suis seulement à 23, ouais, ok. Et là, le barde, ouais, ok. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on peut améliorer. Surtout le bouclier araignée, en fait, qui m'intrigue. Well,
Renforcer armure. Non, c'est pas de l'armure, renforcer arme évidemment. Alors répare un peu le stuff. Évidemment, j'ai pas l'argent pour réparer tout ça, mais on s'en fout. Juste renforcer arme donc. Ah, bouclier araignée, il faut juste du fragment de titanite. Ok. Mille. 2000 et 3000. Alors on va renforcer le bouclier vite fait, bouclier araignée donc. Attends, deux annulé. Modifier affichage. Ok. Acheter objet. On en a acheté deux par acquis de conscience. Renforcer arme. Ok. Donc acheter objet, encore un fragment. Renforcer arme. Alors. Ok, l'équilibre est un peu différent, mais il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a quelque chose, ça se sent. Ouais, t'inquiète, t'inquiète, gars. Est-ce que... Parce qu'en fait, l'histoire bouclier araignée, ça veut dire que ça protège quelque chose en particulier. Mais quoi, bonne question. Offre une certaine résistance au poison. Bah voilà! Voilà pourquoi il le faut. Il est un peu plus zéro que l'autre. Mais au final, quand on regarde vraiment les stats entre les deux... Ils ont tous les deux, ils ont en fait c'est juste sur l'électricité et le feu qu'ils ont quelques différences, même sur la frappe, mais ça on s'en fout. Mais au final, si un résiste plus au poison, offre une plus grande résistance au poison, autant prendre le bouclier araignée. On va le retirer, on va le mettre comme ça, t'es où? Voilà, bouclier araignée. Par contre, lui, c'était quoi l'intérêt du bouclier à pointe? Ouais, on s'en fout. C'est pique pour revendre d'importants enseignements. Ça peut être intéressant, mais non. Voilà. Donc, nickel. On va retourner à la forêt, hein. On va aller visiter un petit peu le quartier. Alors, donc, le démon de Titanite, c'est parti. On avance tranquillement. Un dernier coup, gamin. Un dernier coup. Ok, bah, il se prépare à sauter. Ok, c'est bon. Bon, avançons dans la forêt des bois jolis. La forêt de l'ennui. What? Oula, il est venu jusqu'où ce con? Bon. Voilà, premier ennemi. Et de 1, il me donne rien, ok. On va aller jusqu'au feu en fait. Ah, peut-être pas jusqu'au feu, on va peut-être aller voir un petit peu ce qu'il y a plus bas. Ouais, punaise, lui il a révoqué. C'est pas grave, c'est Warsit. Donc, qu'est-ce qu'il y a par ici? Grand questionnement de la vie. Ah, il a l'air d'avoir un item à la con. Non, le chat, tu commences pas. Monte, dégage. Qu'est-ce qui marque? Lézard droit devant. Ah, oh, lézard de... Un lézard. Toujours viser un peu plus à... Voilà, comme ça. Merde. Il est où? Il est où ce con? Putain, il est passé où? Ah, oh, fait chier, il va falloir que j'aille recharger la partie plus tard.
Bon bah dommage. C'est vrai que je l'avais vu, mais faut aller le buter en direct, faut pas lui envoyer une petite flèche au cul comme ça. Qu'est-ce qu'on a par là en bas? Oh, y a un cadavre, nickel. Attention, ennemi redoutable droit devant. Ouais, cool. Je sais pas de quel ennemi redoutable il parle, mais bon. Hein. Là, on va aller chercher ça. Armure de cuir, flèche en... arc long. Ah, arc long! Arc long. Ok, il manque un peu de dextérité. Mais ce n'est point grave, on verra ça plus tard. Alors tranquille le coin, c'est ça qui m'intriguait. Il y a une forêt là-bas déjà, ça fout acheter les jetons. Qu'est-ce qu'il y a à gauche? Ah, encore un cadavre. Allez, descendo. Ah! Ah! Punaise! Oh merde. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de... Oh! Il m'a enchaîné, il m'a enchaîné. Il m'a tellement enchaîné. Ok. Oui! Oh oui! Oh oui, meurs, meurs de décès. Ah putain, dommage. On va recommencer. Oui! Qu'est-ce que tu vas me donner? Éclat de titanite bleu. Oh ben je prends. Je prends complètement un peu de vie. Donc c'était ça le méchant devant. Bon ben on l'a eu, hein, c'est bien. Bla 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 bla. Attention, saut au droit devant. Oh ça pue ces affaires. J'aime pas quand il écrit saut droit devant. Écusson végétal. Qu'est-ce que c'est que l'écusson? Bouclier. Écusson végétal. Vieux bouclier de métal moyen d'origine, blablabla. L'emblème végétal est légèrement imprégné de magie qui accélère un peu la récupération d'endurance. 85, ouais, 95. Il n'y a pas une très grande différence, quoi. Il est un peu zéro ton bouclier. Quoique la récupération d'endurance accélérée peut être intéressante, mais quand même. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, ça pue ici. Ah non, il y a un feu. Allumez le feu. Allumez le feu. Tiens, on va aller voir s'il est de retour, notre copain, ou pas. Est-ce qu'il est toujours là? Parce que s'il est toujours là, autant continuer à le battre. Hein. Encore là, gamin? Bah, il est où? Non. Ok, il est vie. Ok, il vit qu'une fois. Bon, on ne vit qu'une fois, dirait l'autre. Quel dommage. Et alors, qu'est-ce qu'on a par là? Cours, gamin. Dans. Oulé. Oulé. Ok. Un mécanisme. Vers le haut ou vers le bas? Putain, je sais pas si ça vient d'en haut ou d'en bas. Ça vient d'en bas. On a vu qu'il y a un mécanisme, c'est-à-dire que je peux remonter. Où arrivais-je? Ok. What? Je suis où là? Ok. Ok, bonjour.
Donc des draguis, des dragons. La vallée des drakes. D'accord, alors que j'ai même pas visité le bois. Oh, qu'est-ce qu'il va me faire lui? Ok, attaque électrique, comme le démon de Titanite. Ok. Ouah, grande résistance! Il résiste tellement, c'est con. Ouais, sérieux. Ouais, mais ils sont vénères. J'ai pas faim. Oh, mais. C'est quoi cet ennemi qui m'énerve là? Attaque! Ouf. Ok. Je le temps de boire un coup, vas-y. Reviens, Barar. Vas-y, reviens, reviens, reviens. Oh, ok. Bon, je vais pas encore aller là, hein. C'est ce que me dit le jeu. Ne viens surtout pas ici, tu es trop faible pour eux. On va pou... Pourquoi je suis... J'ai pas activé le feu. Oh, je suis un con si j'ai pas activé le feu, t'es sérieux? Je me suis pas reposé au feu? Ah si, je l'ai juste allumé. Oh, le débile. Oh, l'idiot. C'est pas grave, démon titanite, tranquille. Un petit coup. Deux petits coups. Oh, il va sauter, il va sauter. Oh, le con. Donc, deux ennemis, on tourne à droite et après, bah, on se refait le chemin. On va réactiver le feu, on va choper le petit. Les éclats de titanite scintillants. Coucou, toi. Tu m'as déjà saoulé en deux frames. On l'entend arriver lui. Vas-y, viens. Ah, une touffe de lichen, ça peut être intéressant. Donc, aucune perte de frame, là, nickel. Alors, la descente, on va descendre tranquillement. Normalement, il y a que y a le passage en bas, donc est-ce qu'il y a un autre chemin? Je l'ai vu tout à l'heure, il y avait une espèce de forêt bizarre. Alors, le petit enfant. Ok, lézard droit devant, à gauche, je vais pas les vérifier. Déjà, on va aller choper le lézard, parce que bordel. Il me donne envie ce petit con. Tu es là, tu ne m'as pas vu, tu ne m'as pas vu, tu ne m'as toujours pas vu. What? Ok, il a disparu. Bon bah dommage. On retentera une prochaine fois. Qu'est-ce qu'il y avait par là par contre? Ah rien, ok. Donc on se farcit la redescente de l'infini. Attention, ennemi redoutable droit devant. Non, ça ok, ça j'ai fait. C'est pas là qu'il y a. Non, c'est pas encore là. Qu'on continue la descente par ici. Et court, barrard. Tiens, il y a quelqu'un qui est mort ici. Ah, contre le surtout. Ah, bah oui. Il a voulu contrer et puis il s'est fait tuer par le. Par le chevalier. Ouf, pas tombé trop bas. Donc, déjà on va aller activer le feu réellement.
J'étais sûr de l'avoir au moins embrasé, quoi. Je pensais pas. Voilà. Même pas l'embraser, mais je veux dire, vous avez compris, quoi. Sachant qu'il faudra que je l'embrase à l'occasion. Si je veux XP un peu autour. Alors. Bon, j'aimerais bien tuer ce dragon quand même, hein, parce que bon. Il m'a pas l'air si dur que ça au final. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme arme qui puisse lui faire du dégât? Je pourrais tenter de prendre une claymore aussi, hein. On va essayer la claymore. J'ai jamais utilisé l'arme, mais bon. Oh là, j'ai l'air un peu plus lent par contre. Je suis mort où? Ah, ici, ok. Ouais, non, mauvaise idée. Non! J'ai dit que c'était une mauvaise idée, je l'ai soutenu 2-3 fois en disant c'est une mauvaise idée, comme un con, j'arrive quand même à me faire biaiser. Donc déjà... Ouais. Ok, c'est de l'estoc. Vas-y, on va aller récupérer ses affaires et puis on va se barrer, hein. C'est pas encore un coin pour moi, cette vallée. Dans la vallée, au de la padaridada. Bref. Et la redescente. Donc on récupère sa vie et on se barre très rapidement. Qu'on a dit par là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va courir. Cours, 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 cours. Y a un truc à gauche? Vas-y, cours. Je sais pas ce qui. Oh putain, c'est quoi ça? Oh, y en a un autre. Oh merde. Oh, je l'ai esquivé. Ah, ils arrêtent de me suivre après, ça c'est cool. Qu'est-ce qu'on a là? Par ici, par ici. Merde! Ah non, il est mort. Bon, il a l'air mort, c'est là la nuance. Bonjour monsieur, vous êtes mort? Vous êtes vivant? Un peu des deux? On va essayer de le taper. Ah, oh, il est vivant! Ah putain! Oh l'erreur! Ouf! Oh qu'est-ce que j'ai fait? Oh qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je l'ai attaqué? Et si je me rapproche? Oh merde. Ah oh, mais qu'est-ce que j'ai fait comme connerie alors que j'aurais pu le laisser dormir. Et je suppose que maintenant à chaque fois que je vais venir, je vais être dans la merde. Qu'est-ce que je pourrais faire? Cours, 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 cours. L'épée droite d'Astoras. Écusson du dragon, je sais pas ce que. Est-ce que j'ai fait la plus grosse connerie de ma vie en le tapant celui-ci? Par contre, j'ai récupéré épée droite d'Astoria, c'est écusson du dragon. Bouclier au dragon, blablabla. Bouclier d'un chevalier anonyme, probablement blablabla.
Qu'est-ce qu'il a comme truc? 120, 85 au feu, ouais, c'est cool. 45. Après, il offre une très bonne résistance au feu, mais bref. Par contre, l'épée droite d'Astoria, ça m'intrigue là. D'Astora, par contre. Non. Cette épée droite, un armée de grande qualité en raison des bénédictions dont elle fait l'objet. Ouais, mais encore. Ah, il y a de la magie, ok. Ah, il faut 14 fois pour l'utiliser, bordel. Bon, est-ce que je peux quand même aller récupérer un petit peu mon matos ou est-ce que je vais me faire biaiser à nouveau par le grand méchant dragon zombie là? Non, je sais pourquoi je l'ai attaqué. La peur, tout simplement la peur. La peur de mourir, la peur de vaincre, la peur de tout ce que vous voulez, mais la peur. Descend, descend, descend. Allez, c'est parti. Donc, pas à droite, à gauche. Alors, première chose à faire, est-ce qu'il y a mon matos ici? Non, il va falloir aller le chercher là-bas. C'est parti. On esquive ça. On avance. On court. Cours, 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 cours. Oh, punaise. On ralentit. Ouf. On esquive et on se barre. Et normalement, je devrais être tranquille. Par contre, la grande question. Ah, l'erreur. Il est réveillé. Bon. Ça va être festif de passer, je crois. Ah, mais il est vraiment réveillé, le con, hein. Pire ennemi de la vie, hein. Pourquoi je l'ai réveillé aussi? Je suis tellement con, moi. Cours, 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 cours. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Qu'est-ce que c'est que ce passage? Bon. J'ai un os du retour qui doit traîner, c'est cool. Ouais, y a du stuff. Est-ce que je peux la tenter? Oh, la tentation. Non! J'ai cru que je courais, je suis mort comme une merde. On est reparti à nouveau. Donc on recommence. C'est parti. Décalage droite. Tirez le levier. Bon après je vous promets, on va continuer, on va retourner au bassin, mais c'est juste que là j'ai envie de voir ce qu'il y a par là-bas. Donc on redescend. Maintenant on a la technique, hein. Par contre on est tranquille, mais le côté je tombe comme une merde. Il y avait un petit passage devant, plus je sais pas pourquoi j'ai vu, je me suis dit à l'écart, je peux passer quoi. Donc gauche, droite, on court, tranquille. On tape un sprint, on ralentit, on retape un sprint parce qu'il va lancer son électricité. On ralentit vu qu'il l'a lancé et on retape. On ralentit ici. Il est sérieux lui, hein. D'habitude il fait son attaque de wyvern et. Je sais pas si c'est une wyvern mais il fait son électricité. Donc maintenant le grand dragon que j'ai réveillé comme un con. Alors qu'il était tout décatil machin, il se tient juste à ça, il sait rien faire d'autre.
Ouais, ça lui fait aucun dégât, laisse tomber. Bon, par contre, ça veut dire cours, cours, cours. Alors, cours, décale à gauche. Ouf, les dégâts de poison. C'est pas grave, avec le bouclier on est un peu plus résistant de ce que j'ai compris. Donc le petit chemin qui sent la noisette me rappelle soudain ce grand jour de fête. Bla 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 bla. On a récupéré le pouvoir perdu. Maintenant. On va aller par là, on va aller par là. Qu'est-ce qu'on a ici? Une grande âme de guerre anonyme. Oula! Ah non, mais pas le. Passe-partout. Je suis pas. Où aller? On a rien. Ok. Je sais pas ce que c'est. Ruine de la nouvelle Londo. Ah mais ça a l'air d'être un coin connu en fait ici. Bah, attendez, autant ne pas m'en priver si je peux en tuer un ou deux. Ah, 24 âmes ça sert à rien. La ville est perdue. Waouh! Mais ça c'est pas quand on remonte au sanctuaire. Tiens, bonjour monsieur. Pourquoi tu pleures? Ah, il est stock, tiens. Ouais non là ça pue par contre. Je sais pas ce que c'est mais ça pue tellement. Les mecs ils sont tellement... Non. Ah je pourrais juste me la péter. Ouais. Bah en fait 24 âmes, ouais non on va pas aller farmer des âmes avec cela quoi. Quoique, un petit farm à coups de cadavre, ça a jamais fait de mal à personne, mais c'est juste le côté là. Ok, allez, bonjour. Discutons, discutons, gamin. Waouh! Attends. Ouais, renforcer arme. Ok, renforcer armure. Ouais, tu me sers à rien, quoi. Dis, réparation d'équipement. Flèche d'âme? Catali. Ah ouais. Qu'est-ce que. Flèche d'âme, d'accord. Et genre, je peux utiliser ça. Âme requise 2000. Usage 30, 2000. Vas-y, je vais voir ce que ça vaut. Modifier équipement. Aucune arme à élever. Ok. Non, 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 non. Ouf, attention, gamin. Comment j'équipe un truc à mettre en haut? Ah non, j'ai pas assez... J'ai pris un truc où j'avais pas assez d'intelligence. Ah. Utiliser, non. J'ai pas assez d'intelligence. Un point d'intelligence pour utiliser cette flèche d'âme. Pourquoi pas? Bon, on va repartir par là parce que là, le coin est déjà assez pourri comme ça. Alors, par ici. La vallée. Olé, vallée des Drakes. On peut quand même voir. Parce que je sais que dans une autre partie j'étais allé dans la zone là-bas, mais c'est juste en descendant. Ouah! Pourquoi l'éclairage il a changé? Oh, ça pue. J'y vais pas, ça pue trop. Je n'y vais pas. Voilà. Faut utiliser un os du retour.
Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Faiblesse, attaque dans le dos, bravo. J'avais dit que j'utiliserais un os de retour pour revenir à machin. Retirer, retirer. Ça, on change par un arc de base. Arc court. Et là, donc l'os du retour. Ouais, allez, vas-y, go. Ok, go. On repart. En espérant avoir quand même le petit avec sa titanite scintillante là. Donc l'écusson du dragon, écusson végétal. C'est bien, petite visite, petit. Même pas du farm au final. Mais juste une petite visite assez sympathique. Après. Voilà quoi. Ah si, il y a aussi là-bas que j'aurais bien aimé visiter, mais je ne sais pas ce qu'il y traîne. Ah, ça c'est là où on était au début du jeu. Waouh, attends, attends, attends. J'ai pas vu d'ennemis pour l'instant. Qu'est-ce que c'est que ça? Je rêve où il y a un énorme. Je sais pas ce qu'ils font au fond, mais ça se bastonne, on dirait une hydre. Ou des mecs. Ok, il y a des. En fait, c'est des géants. Non. Me dis pas que tu m'as vu. Ah putain, ici il m'a vu. Je sais pas ce que c'est, mais tu es là. Qui es-tu? Que fais-tu? Ok. Ouf, oh, il est vénère. Attends, on va voir si t'arrives à me faire. Ouf, oh, c'est quoi ça? Ok, non, mauvaise idée. Ok, est-ce que je peux essayer de le. Waouh, non, ils sont deux. Alors, ce qu'on va faire, on va faire les techniques à l'ancienne. D'ailleurs, oh, une grande âme, génial. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Non, non, pas là-haut. Repart. Cours, 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 cours. Vous me suivez encore? Putain, ils sont sérieux. Bon, je sais que ça se dit pas, mais bon. Merde, voilà. Allez, essaie de me suivre maintenant. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Voilà, merci. Olé, assez flippant avouons quand même hein, ce petit coin. Au fond, je sais pas ce qui se passait, j'avais l'impression de voir une bataille. Oh oui, t'es là toi. Toi t'es mon. Toi t'es mon sac, voilà. T'as compris? 1, 2. Éclat titanite, titanite scintillante. On va augmenter le casque de la gargouille. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, je l'avais dit quand même, faire un peu de farm. Quoi, quand même ressortir d'ici de manière un peu saine. Et on va continuer, on va aller visiter un petit peu parce que là où il y a la brume, j'allais à la forêt d'Astorias, là au fond de la, du moins, au fond de la, des jardins. Voilà, foutez-moi la paix. Donc par ici. Ah oui. Ouais. What? Ah mais c'est quoi ça là-haut? Par où tu y accèdes? Et par où tu viens? Oh c'est moche. Oh on dirait un. Bah. Où c'est que je suis là? Ah oui, c'est le chemin habituel, j'ai eu peur. Coffre 3 devant, ouais, mon cul. Ouais, c'est ça. Waouh, ça m'a fait peur.
Bon, tu viens? Viens plus près, viens plus près. Y a le petit là, je l'ai vu, voilà, je t'ai vu toi depuis le 1. Oh, allez! D'où je touchais pas? Viens le message. Ennemi. Le mec, il croit que c'est ennemi, ennemi. On sait que c'est un ennemi, voyons, innocent. On est déjà au bout de la forêt, il n'y a pas un autre passage que j'ai vu tout à l'heure? Non, c'est peut-être pas ça. Menteur, oui, merci. J'ai déjà trouvé le feu, merci quand même, menteur. Puis quoi encore? Donc, merde, comment on appelle ça? Placer ça. Ok. Niveau supérieur, j'ai pas ce qu'il faut. Donc en fait, placer ça, d'accord. Donc en fait, je pourrais utiliser une flèche d'âme, ça peut être intéressant. Donc renforcé. Quel est le souci? Oui, j'ai pas d'argent. Titanite scintillante, épée droite d'Astora, mais elle est tellement craquée que ça. Cuisson du dragon, d'accord. Les cuissons du dragon ont l'air craquées aussi. Ah, et je peux augmenter le casque de la gargouille. Parce que je vais me foutre deux titanites scintillantes. Mais il y aura peut-être mieux plus tard. Et puis une bonne résistance pour le moment. Réparer équipement, évidemment. Allez, cassons-nous de là. Soit il y a l'équipe de Barjo là-bas, soit il y a la visite de la suite ici. Sachant que normalement, voilà, bonjour. Non, 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 dégage, dégage, non. Voilà, mourait. Touffe de lichen violet. Touffe de lichen violet. Voilà, foutez-moi la paix, bordel. Alors, par contre, ici, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi ça là-bas? Non. Bah, ça a l'air tranquille. Essayez, attaque. Non. Ouais, ça bouge. Oh non, 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 j'y touche pas. Hein. Faiblesse d'eau. Oh, ok, bonjour monsieur. Bonjour, voulez-vous discuter? Waouh! Oh, ça doit avoir une allonge de fou ça. Par contre, niveau attaque, ça va être zéro. Imaginons, j'ai ces dos. Vas-y, 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 hâte-toi pour attaquer, gamin. Ah non! Oh, en fait, ça prend de sacré. En fait, c'est tout mort, c'est tout simple. Bon. Continuons à visiter le quartier alors, hein. Si ça a l'air à peu près safe. Un petit passage à gauche, qu'est-ce qu'il y a à gauche? Passage dérobé. Ah, intéressant. Ouah! Qu'est-ce que c'était ce bruit derrière? Ouah, punaise, j'avais pas vu lui. Ok. Vas-y, ça meurt. Ah, encore du tout. On étouffe de lichen, mais ça, c'est un farm, quoi. C'est un spot. Qu'est-ce que c'est? Un cadavre? En fait, c'est surtout ça qui m'intrigue. Olé. Ah ouais! C'est quoi ça? Oh, c'est quoi ce truc? Oh, c'est moche. Pertuisienne. Intéressant. Mais qu'est-ce que c'est moche ce truc? Hein? Non. Ok, tout ça pour ça. Oh, c'est chelou! J'aime bien le principe, hein. Le petit serpent à quatre pattes faisant office de branche, c'est mon main, hein.
Ça aussi là? Non. Ah, y a un cadavre là-bas. On va aller avancer un petit peu. Ah, ça c'est de l'ennemi. Oh, ça pue. Ok. Technique, voilà. On va aller là. Merde, ils sont où? Bah, venez! Voilà, un. Non, non, mais il m'a chopé! Mais non! Interdit! Interdiction! La chope est interdite, messieurs. Qu'est-ce que c'est ce sort? Il me ralentit. Oh punaise! Le temps est ralenti. Wouah! Le temps est ralenti. Ouf, ok. Il m'a tellement ralenti. Oh. Et je suis décédé. Pour changer.